Et les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. J'achète tout ce que je veux pour 140 euros. C'est parti. Donc, je remercie vraiment beaucoup Jiffy pour m'avoir envoyé une carte cadeau. Donc, j'ai un budget de 140 euros pour pouvoir acheter plein de déco pour ma chambre. Voilà, plein de choses, tout ce que je voudrais. Et j'espère que vous m'entendez bien avec le masque. Le masque il est un petit peu trop grand pour moi, mais c'est pas grave. On va y aller. C'est parti. Du coup j'ai changé de masque parce que sinon mon masque il tombait et voilà quoi, en fait mon nez en fait il pouvait aspirer les maladies. Donc du coup c'est parti, on va commencer dans la vidéo avec des fournitures etc. Je vais voir tout mon bureau, très sympa, et let's go. Du coup je vais prendre 4 pots. Je vais prendre ça, c'est trop beau, il y a des petits accroches comme ça, des petits pins un peu. Ouais, et des trombones. Voilà, et des trombones. Et en plus c'est dans les coloris de ma chambre, trop cool. Vu qu'en ce moment j'adore faire des Scooby-Doo, j'ai appris hier, et ben je vais prendre des Scooby-Doo, je suis trop contente. J'ai vu cette petite boîte qui est vraiment très jolie pour par exemple faire une boîte de Scooby-Doo ou de rangement, je sais pas, une boîte de rangement ça serait sympa, voilà. Je pense que je vais la prendre, j'ai craqué dessus et en plus il y a plein de couleurs. Il y a par exemple du bleu aussi, et je pense que je vais prendre ces deux là, c'est une trop belle. Adieu, j'ai trois couleurs encore. J'ai trouvé un petit tabouret pour ma coiffeuse qui est bleue dans les coloris de ma chambre. Du coup, je vais le prendre. Elle est vraiment trop jolie. Et j'ai vu aussi autre chose. C'est une ampoule. En fait, tu mets une ampoule. Et en fait, quand tu veux allumer la lumière, tu peux mettre la couleur que tu veux. Je trouve ça super beau et super cool. Ensuite, je vais prendre ce cadre-là parce qu'il est trop joli. Ensuite, je vais prendre ce plaid-là parce qu'il est trop joli. Le voici, il est blanc et doré. Ensuite, je vais prendre cette petite lampe qui est trop jolie, qui a plein de lumière autour et dedans, c'est une plante. J'aime trop. On a fini de faire nos achats et maintenant on va à la caisse et en rentrant à la maison je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, je suis rentrée à la maison, ça fait du bien de ne plus avoir le masque pour mieux vous parler. Et maintenant je vais vous présenter du coup tout ce que j'ai acheté à Jiffy. On va commencer par les plus gros objets. Du coup c'est un petit tabouret parce que en fait mon tabouret qui est là en fait il est cassé, du coup bah, j'en ai racheté un autre, que celui-là il est pas en bois, du coup il va pas se casser hein. Et je vais le mettre pour ma coiffeuse juste ici et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand je vais mettre tous mes objets dans ma chambre. Donc du coup là il est comme ça et les pieds du coup il est bleu hein. Ensuite donc c'est un porte rouge à lèvres, donc par exemple je prends un rouge à lèvres et je le mets dans le trou, donc vous pouvez mettre 6 rouges à lèvres dedans. Du coup j'ai trouvé aussi une boîte à coton-tige, en fait vous avez juste à ouvrir le couvercle, mettre des coton-tige, le refermer et en fait là vous attrapez les coton-tiges un par un et vous pouvez en remettre hein, tant que vous voulez. Donc pour les coton-tiges on en a pris 150 à Jiffy et c'est en fait en bois, les petits bâtonnets en fait c'est en bois. Et il y en a vraiment beaucoup, du coup je vais en prendre quelques-uns, il y en aura qui iront dans la salle de bain. Des Scooby-Doo, donc ça c'est parce que j'adore les Scooby-Doo, j'en ai pris du coup un sachet et il y a du coup une notice pour expliquer comment on fait des personnages, des animaux, etc. Mais moi je sais en faire en carré et en rond. Du coup voilà. Ensuite j'ai pris un réveil en bois. Donc devant il est comme ceci. Et derrière du coup il y a tous les boutons etc. Et je le trouve trop joli. J'ai aussi pris un strands. Dites-moi comment vous le dites. Moi je sais, je dis un strings, un strands. Dites-moi ce que vous savez faire en figure. Vu que j'en avais un avant. Mais pour l'instant je sais faire que la tasse. Vu que je me rappelle plus de ce que je rêvais à faire avant.
J'ai aussi acheté des boucles d'oreilles. Donc il y a 6 paires de boucles d'oreilles. Il y a des boules avec plusieurs couleurs. Il y a des écailles de sirène bleue et rose. Une queue de sirène. Donc c'est des pélicans bleus. Je les trouve trop jolies. J'ai pris une autre paire de boucles d'oreilles. Là c'est un peu plus été, etc. Donc il y a des pastèques, des palmiers et des flamants roses. Je les trouve trop jolies. Donc j'ai pris une lime à ongles et j'ai pris le miroir avec. Regardez, il est comme ceci. Donc j'aime bien parce que c'est un lama qui a en fait une capuche licorne. Ensuite j'ai pris des blush blenders, du coup un rose pastel et un rose foncé pour maman. Donc moi j'ai eu le rose pastel et maman je lui ai pris du foncé pour pas qu'on se trompe. J'ai aussi pris deux petites plantes, elles sont vraiment trop trop belles. J'en ai pris du coup un rose et un bleu un peu vert. Ce qui est bien c'est qu'il y a des plantes différentes. Donc par exemple là elle est verte et là elle est un peu rouge verte. Et il y a aussi des faux cailloux. Alors là je vais faire très attention parce que c'est fragile et très lourd. Donc c'est une lampe que je vais je pense mettre sur ma table de nuit. Là c'est une grosse pierre. Il y a des plantes et en fait là c'est genre une lampe. Là ils ont mis dans l'intérieur des LED et je pense que ça sera trop joli. Il faut allumer ici mais il faut des piles. Ensuite vu que j'avais avant une brosse à dents électrique mais elle ne fonctionnait plus, et ben j'en ai repris une parce que j'adore ça en fait. Du coup j'en ai pris deux. La bleue c'est pour maman et moi c'est la violette vu que j'adore le violet. J'ai aussi pris des pots à crayon. Du coup je vais les mettre sur mon bureau. Ils sont argentés et là j'ai pris une petite pour mes élastiques. Et du coup j'ai pris des élastiques avec vu que j'en ai plus. Et c'est des élastiques normaux donc voilà. J'en ai pris, il y a des gris, il y a des marrons et il y a des un peu beige. Alors ça je crois que c'est mon deuxième truc préféré. En fait c'est un peu comme des LED mais au mieux de mettre des LED dans ma chambre. Il y a juste à remplacer l'ampoule en haut. Ensuite vous téléchargez une application sur votre téléphone. L'application du coup c'est Tanks. C'est une ampoule connectée wifi. Et vous pouvez avec votre téléphone mettre des couleurs que vous voulez pour que votre chambre elle s'illumine de cette couleur là. Moi j'ai trop hâte de tester en tout cas. Je pense que peut-être je testerai sur Instagram, je sais pas encore. J'ai trop hâte. Ensuite j'ai pris un cadre bleu. Je pense que je vais laisser la photo dedans. Et c'est écrit love parce que j'aime bien la photo qui est dedans. C'est un petit cornet de glace avec plein de fleurs. J'ai aussi pris un rouge à lèvres. Il est trop beau. Et regardez, il est trop beau. J'ai pris aussi un petit plateau. Vous allez me dire, mais ça va servir à quoi? Et ben en fait, c'est tout simplement, par exemple, j'ai pris une bougie du coup. Il faut prendre des bougies comme ça. Vous prenez le plateau et en fait, avec votre bougie, vous avez un trou. Avec le trou, vous allez le mettre là comme ça. L'enfoncer et en fait, la bougie, elle va rester dessus. Vous pouvez le mettre en déco, etc. Et vu que j'adore les bougies, j'en ai pris une autre à la lavande. Elles sentent vraiment trop bon. Même avec le masque, vous sentez la lavande. Du coup, elles sentent vraiment trop bon. Et je l'adore. Donc ensuite, j'ai pris des accessoires de fixation. Donc par exemple, il y a des trombones, il y a des petits trucs pour attacher. En fait, vous mettez comme dans le mur. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, il y a tout ça dedans. Et c'est pile poil les couleurs de ma chambre. J'ai repris une protection pour mon téléphone, du coup. Donc moi, c'est un iPhone 6. Donc j'ai aussi pris une boîte de rangement, du coup, pour ma chambre. Avec un petit cactus dessus. J'ai aussi pris une enceinte Bluetooth pour ma chambre. Et je l'ai pris en blanche parce que j'aime pas trop le noir. Il y avait aussi un noir disponible. Mais moi j'ai pris le bleu. Du coup je vais pouvoir écouter mes musiques dans ma chambre. Du coup j'ai aussi pris 3 petits vases. Je pense que je vais acheter 3 petites fleurs pour pouvoir du coup les mettre dedans. Mais ça sera pas la suite. Vraiment, du coup j'en ai pris un rose, un bleu et un blanc. On aurait dit c'est un bleu, blanc, rouge. J'ai aussi pris une boîte à céréales, du coup pour nos céréales, qui est très simple, Kellogg's. Ensuite, j'ai aussi pris une boîte à mouchoirs en bois. En fait, c'est très simple, vous ouvrez, vous mettez votre boîte à mouchoirs en carton et vous le refermez. Vous mettez le papier comme ça et vous pouvez tirer comme si c'était vraiment une boîte à mouchoirs. Avant-dernier article que j'ai acheté, c'est tout simplement un plaid qui est vraiment trop magnifique. Il est du coup blanc et doré et je l'adore. Avant-dernier, c'est un cadre qui est vraiment immense et je vais garder les photos qu'il y a dedans parce qu'ils sont trop jolis. Et dernier article, c'est tout simplement un pouf que je suis assise dessus bien entendu, qui est comme ça. Donc je vais le prendre pour mon coin lecture que je vais mettre derrière ma porte. Voilà, comme ça je m'assierai dessus. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore beaucoup Jiffy pour m'avoir envoyé une carte cadeau. Merci beaucoup Jiffy. Et sinon je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.